dans la stratégie marxiste-léniniste, on attaque un point, à partir du moment où on a deux ou trois points d'appui autour de ce point, pendant qu'on en pourrit un autre. Et vous assistez à un balancement permanent entre Extrême-Orient et Orient. On attaque en 1945 au point le plus normal, puisque Lénine nous a prévenu en 1919. Il nous a dit d'abord la route de Paris passera par Pékin et par Alger, on ne peut pas être plus précis. Il nous a dit en 1919 ce qu'il allait faire en 19, ce que les soviétiques allaient faire en 1945. Très précisément. Pékin, Alger. Bien. Donc il nous avait donné la route. Il nous avait dit ensuite, nous opérons en quatre temps. Dans un premier temps, nous attaquons les empires. Dans un deuxième temps, nous occuperons les empires occidentaux. Dans un troisième temps, nous créerons une crise économique formidable en Occident. Et dans un quatrième temps, après cette crise économique et par voie de conséquence directe, nous créerons une crise sociale telle que l'Europe tombera comme un fruit mûr. Pourquoi Pékin est âgé? Parce qu'il faut d'abord prendre les masses qui se trouvent où? À côté de l'URSS. Ils n'attaquent que s'ils ont des bases à côté d'eux. Toujours. Donc ils ont attaqué la Chine à partir de l'URSS. Quand vous prenez le tracé de la longue marche de Mao Tse-Tung, il part de la région de Canton et il part du cœur de la Chine pour remonter vers la frontière soviétique plein nord. Et là, il s'adosse à la frontière soviétique, il ne bouge plus. Il a derrière lui l'URSS, et il a derrière lui tous les moyens d'approvisionnement possibles. Il attend de voir Chiang Kai-shek trucidé par les Japonais, et quand Chiang Kai-shek est à bout, il attaque Chiang Kai-shek. Bon. Mais il ne peut le faire qu'avec beaucoup de munitions, beaucoup de moyens, surtout sur des terrain aussi étendu que la Chine, avec qui? Avec tous les patrons qui ont pris en main la Chine, qui sont des Russes, et qui ont organisé tout cette affaire. Et ils le font d'autant plus facilement qu'ils sont sur la frontière russe. Donc, incontrôlés et approvisionnés en permanence par les Soviétiques. À partir de là, et quand vous avez pris la Chine, ce paquet de 850 millions, et quand vous tenez la frontière du Tonkin, vous prenez l'Indochine. À partir de là, vous prenez le Laos et le Cambodge. À partir de là, vous remontez sur la Birmanie. À partir de là, vous montez ce qui se passe depuis déjà des années, sur les Indes, qui sont leur objectif actuel. Les Indes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans la presse, vous trouvez tous les jours des accrochages aux Indes, des centaines de morts, des milliers de morts, Gandhi liquidé, puis Madame Gandhi, puis le fils écarté, puis les maquis du plateau du Deccan, puis les maquis musulmans, puis partout. C'est une manœuvre globale et permanente et continuelle, en cours, en cours. Et remontant par le couloir musulman, précisément, allant de l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, arrivant sur l'Iran, l'Égypte, etc., dans tout ce mouvement est-ouest musulman, cette fois, on a bien sûr pourri l'Afrique du Nord. Mais il y avait une deuxième source de pourrissement, c'était le Parti communiste, également dirigé de Moscou, mais le Parti communiste français. Et le Parti communiste français a créé le Parti communiste algérien, sur territoire français d'Algérie, qui était territoire national, et pas du tout colonial, en 1921. 1921.
Et donc, ce n'est pas en 2 mois que s'est préparée la rébellion, elle s'est préparée en 40 ans. Tout doucement, par infiltration, par travail sérieux, par cellule, par grignotage, en entrant dans les écoles, en entrant dans les ports, en entrant dans les mines, en entrant partout, dans les bâtiments, partout, en entrant dans les douars après, par tout un travail d'infiltration souterrain, jusqu'au jour où l'armement étant fourni par, essentiellement par Nasser à l'époque, ça a éclaté. Mais ça ne pouvait pas éclater avant la liquidation d'Indochine. À peine avons-nous signé Genève, que 2 mois après, ils nous attaquaient en Algérie. Le balancier venait en Algérie. Nous étions en 54. Ça allait durer 10 ans en gros. Et nous allions signer Évian. Car nous signons toujours. Toujours. C'est déchiré dans l'année qui suit. Pas grave. Et nous signons d'ailleurs unilatéralement. Car le Sud-Vietnam n'a jamais signé les accords de Genève. Les États-Unis, qui étaient puissance présente aux accords, n'ont jamais signé les accords de Genève. Et les accords de Genève n'ont été signés en 54. Que par la France et le Viet Minh. Point final. Mais pas par le Vietnam du Sud, qui n'était pas fou, qui savait très bien qu'il prendrait la guerre tout de suite. À Évian, nous avons signé avec qui? Avec l'aile gauche du FLN, sans un pied noir à la table, sans un harki, sans un combattant, sans personne d'autre que M. Louis Jox. Point final. Sans aucune représentation de la population d'Algérie. Aucune. Et en particulier, aucune représentation des 200 000 Algériens qui étaient dans l'armée française. Aucune. Et le FLN n'a pas signé les accords d'Évian. Le FLN n'a pas signé les accords d'Évian. Jamais. Ce qui fait qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas les avoir respectés. C'était une signature unilatérale de Gaulle tout seul.
Quelle a été votre action en Algérie? L'action que menait en Algérie tout capitaine, c'est-à-dire tout commandant d'unité de base, que ce soit une compagnie d'infanterie, une batterie d'artillerie, un escadron de cavalerie, était très varié, parce que le capitaine se voyait confier plusieurs missions. Mais avant que d'étudier ce que fait le capitaine en Algérie, deux mots sur ce qu'était le problème algérien. Vous l'avez dit tout à l'heure, très, très justement, c'était une continuité, une triste suite entre Dien Bien Phu et Alger, entre Dien Bien Phu des Viet et l'attaque du FLN. C'était aussi l'axe d'application, nous l'avons vu tout à l'heure, de l'action marxiste-léniniste annoncée par Lénine depuis très longtemps. Cette fois, ils étaient devant Alger. Et c'était enfin une sorte de test sur ce qu'était véritablement l'Algérie française, sur sa valeur interne, sur sa valeur spirituelle et sur sa valeur en tant qu'entité française. Car la grande différence avec l'Indochine, c'est que cette fois, il s'agissait non plus d'une colonie lointaine, qui n'était d'ailleurs plus qu'un État incorporé dans l'ensemble de l'Union française. Il s'agissait du territoire national. Territoire national, constitutionnellement inclus, comme Marseille et comme Brest, dans la France depuis 1848, par la Constitution française. Et territoire national, d'où étaient venues toutes les troupes qui avaient débarqué en Provence, qui avaient fait la campagne d'Italie et qui avaient libéré la métropole de l'occupation lors des opérations sur les côtes de Provence, la remontée de la première armée de Lattre et de Juin par la vallée du Rhône et la montée vers l'Alsace. Qui étaient ces bataillons? Sous quels drapeaux étaient-ils? Sous quels étendards étaient-ils? Sous des drapeaux et des étendards de l'armée d'Afrique et de l'armée d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et ce qui avait protégé cet ensemble-là qui avait libéré la France en 1943-1944, qui était sinon le maréchal Pétain, le général Weygand, lequel général Weygand avait préparé toutes ses troupes, d'accord avec l'ambassadeur américain Murphy à Alger, pendant des années, pour le débarquement en France. Est-ce que ce territoire-là allait être largué? Est-ce que sous la poussée des communistes, nous l'avons dit, installés depuis 1921, de la manœuvre marxiste-léniniste, de la propagande allemande qu'avait subi cette population pendant l'occupation contre nous, par des agents qui s'étaient introduits sur le territoire contre nous, d'une certaine tendance américaine décolonisatrice, très marquée à cette époque, pour dégager ces territoires, en faisant savoir à la population que les Américains envisageaient une évolution des choses tout à fait nouvelles, différentes, et la séparation des colonies, de la France, etc. Est-ce que tous ces coups de boutoir que nous subissions, avec l'arrivée maintenant de Nasser et des mouvements révolutionnaires socialistes musulmans, est-ce que tout l'ensemble de ces coups de boutoir, nous serions capables de sauver 82% du territoire national, car l'Algérie représentait 82% du territoire national? Les Français s'en rendent mal compte, parce que généralement dans les bouquins d'histoire et géographie, on n'emploie pas les mêmes dimensions, les mêmes échelles pour la carte de France et la carte d'Algérie. Ce qui fait qu'on croit que l'Algérie, en gros, c'est comme la France. Pas du tout. C'est 5 fois plus grand. Est-ce que nous allions perdre ça? C'était le problème. Il s'agissait cette fois du territoire français. Quelle est la différence entre une colonie et le territoire national? Ce sont les cimetières. Quand vous mourrez à Hanoï, à Dakar, ou ailleurs, ou à Tananarive, le corps est ramené en France, toujours, pratiquement toujours. Aucun corps de mort de Français en Algérie ne quittait l'Algérie. Les villages d'Algérie étaient des villages français, avec une mairie, la gendarmerie, la boulangerie,
le coiffeur, l'église, la mosquée à côté. C'était un village comme tous les villages de France. Et c'était là la grande différence. Les cimetières. Ces cimetières qui sont saccagés aujourd'hui et que les Algériens voudraient chasser, je le sais. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Pour faire face à cette menace considérable, qui fait que du jour au lendemain, nous perdions toute cette part de territoire, dans quelles conditions? Est-ce que les Pieds-Noirs pourraient rester? Si le FLN gagnait? Que devenait la Méditerranée? Quelle était notre couverture au sud? L'enjeu était terrible. Premier aspect des choses. Rien à voir avec l'Indochine. Deuxième aspect des choses, nous étions à une heure d'avion de la France. Là, c'était plus de 12 000 km. C'était à nos portes. L'ennemi, après avoir été au portail, après être entré dans le jardin, après avoir occupé le perron, entré dans le couloir, quand serait-il dans la chambre? Deuxième aspect des choses. Troisième aspect des choses, à partir du moment où c'était un territoire national, le contingent intervenait. Il ne s'agissait plus de l'armée de métier et des volontaires d'Indochine. Il s'agit des jeunes Français, de tous les jeunes Français. Et tous y allaient. À liquider la force rebelle qui voudrait chasser la France de l'Algérie et y instaurer sa dictature de terreur, de misère et de stérilité. Est-ce vouloir perdre l'Algérie que d'y envoyer, d'y maintenir une armée de 500 000 hommes pourvus d'un matériel énorme, d'y consentir à la mort de nombre de nos enfants, que l'action de développement des populations musulmanes, entamée depuis 18 mois, activement poursuivie en ce moment, et qui, après la pacification, devrait s'épanouir encore, tend précisément à créer des liens innombrables et nouveaux entre la France et les Algériens. Et j'en ai vu arriver, sur le plan physique, presque d'inaptes, ou ayant un doigt en moins, ce qui ne se fait jamais dans l'armée, normalement, en temps normal. Tous venaient, et tous étaient désignés, et tous ont été extra, à 98%. Contrairement à ce qu'on nous dit dans la télévision, contrairement à la propagande qui est menée en disant le contingent ne voulait pas y aller, il voulait plus si, il laissait traîner les pieds, ils n'étaient pas d'accord avec leurs officiers, tout ça est absolument faux. Tout ça, c'est la propagande de M. Mohamed Bourges, qui dirige absolument l'information en France, qui dirige toute la télévision française, mais qui était aussi le rédacteur en chef de Témoignages chrétiens pendant toute la guerre, qui nous insultait, qui faisait des appels à la désertion, qui a été trois fois ministre en Algérie dès 1962, qui était l'ami personnel de Ben Bella, et qui, dans le journal officiel, devenait citoyen algérien. Aujourd'hui, maître de la télévision française, et à qui, je crois, on promet la direction de l'AFP bientôt. Nous avions tout ce monde-là contre nous, nous avions en France toute la tendance, Malraux, Sagan. Tous les catholiques de progrès. Tout Saint-Germain-des-Prés. Tous les intellectuels français de gauche. Toute la fameuse rive gauche. Nous avions 80% de la presse contre nous. Nous avions 50% de la radio. Jamais de nouvelles sur l'Algérie en France. Jamais un film sur l'Algérie en France. J'en ai tourné des dizaines avec le 5e bureau.
L'avenir de notre pays, c'est notre jeunesse. Celle d'Algérie, du bled ou des villes est trop souvent inemployée. Sa bonne volonté, son enthousiasme, sa soif d'idéal, nous l'emploierons à bâtir l'Algérie nouvelle. L'école des cadres des jeunes bâtisseurs a été ouverte à Cherchel pour assurer la formation des chefs d'équipe dans les chantiers qui s'ouvrent dans toute l'Algérie où se retrouvent mêlés musulmans et européens. Tout était arrêté à Paris. Rien n'était diffusé. Le 11 novembre, 25 000 personnes se sont rassemblées à Sidi Bel Abbès sur l'immense place du Glacis Nord. Le général Conce et le colonel Thomas, commandant le 1er régiment étranger d'infanterie, passent les troupes en revue dans une ambiance que la ville n'avait pas connue depuis des années. 10 000 musulmans étaient venus de tous les quartiers et des localités environnantes pour participer à cet hommage rendu aux combattants. La masse des anciens combattants affluant de partout. Ils étaient là par centaines, les anciens de 14-18, ceux de 39-45, ceux des combats de Tunisie, d'Italie, de France et de toutes les batailles où s'est joué le destin du pays. Nous étions torpillés dès le départ. Or, le capitaine, lui, se trouvait avec sa petite unité dans le Djebel, avec 50% de gars du contingent de métropole, 50% de gars du contingent d'Algérie, d'Arabes et de Berbères, qui étaient mobilisés comme les jeunes Français, puisqu'ils étaient Français, avec ses notables, avec à 3 heures du matin les fermes qui brûlaient, avec les bêtes qui étaient attachées à la chaîne et qui explosaient sous la chaleur de la ferme, et avec les familles qui étaient décapitées et qu'on trouvait dans un état atroce, les enfants en particulier. J'en ai vu beaucoup, beaucoup. Et j'oublierai jamais ces moments-là. Que savait la France? Rien. Absolument rien. Elle ignorait. Et la manœuvre marxiste-léniniste. Et la poussée musulmane de Nasser. Et ce que faisait le FLN, jamais on ne disait en France. Jamais. On a parlé en France des exactions quand il s'est agi des officiers français. Les tortures imposées par les officiers français. Là, on a parlé. Je n'ai jamais vu torturer en Algérie. Jamais. Jamais je n'ai vu torturer en Algérie. Il y avait des services spécialisés dont c'était le métier. Comme dans toutes les armées du monde, comme dans tous les deuxièmes bureaux du monde. Et là encore, je tire mon chapeau aux jeunes lieutenants et aux jeunes capitaines qui ont fait ce travail terrible, très dur, très difficile, mais aux ordres de leur patron, qui n'ont fait qu'exécuter les ordres reçus. Et pourquoi le faisaient-ils? Le faisaient dans des cas très particuliers, quand il s'agissait de trouver des poseurs de bombes, des assassins, qui se préparaient à attaquer, non pas l'armée française, bien sûr, jamais, mais à semer, comme en Indochine, la terreur dans la population, dans les cinémas, dans les bars, dans les marchés, où tombaient femmes et enfants, qu'ils soient européens ou musulmans, ou qui devaient égorger les chefs de village et les chefs de douar, ou les responsables locaux. Et quand il s'agissait de trouver où était un stock de 300 bombes dans Alger, il fallait bien le trouver, le stock de 300 bombes, et sauver combien de personnes? Voilà. Le petit capitaine, lui, il devait d'abord chercher les félagas dans son coin, première mission. Donc les trouver, donc avoir le renseignement et exploiter le renseignement. Il devait ensuite s'occuper des populations, former des villages nouveaux, pour que les fermes isolées échappent aux félagas, donc les ramener dans ce qu'on appelait des regroupements. Protéger ces regroupements, mais d'abord les construire. En dur, construire des meshtas, construire des rues, amener l'électricité, amener l'eau, faire un stade pour les gosses, une piscine. C'était ça le capitaine que j'étais. C'est comme tous les capitaines.
Et je passais autant de temps à aller écouter les gosses apprendre à lire, à écrire, apprendre l'histoire, la géographie, et chanter des chansons aussi bien algériennes locales que françaises, ou à me glisser un peu, toujours ému d'ailleurs à ce moment-là, pour savoir à quel couplet ils en étaient de la Marseillaise. Mais nous passions autant de temps à ça, beaucoup plus de temps à ça, qu'aux opérations militaires. Et je savais, moi, que c'était beaucoup plus important que les opérations militaires. Parce que les bandes rebelles n'étaient plus du tout les bandes viettes. Rien à voir. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre, justement. D'abord, le terrain n'était pas le même. Dans le bambou, vous ne voyez rien. Dans la campagne algérienne, vous voyez tout, d'avion. Ce qui fait que les Viettes ont pu rassembler des compagnies, des bataillons, pas eux. Dès qu'ils arrivaient à la Katiba, c'est-à-dire à 200 hommes, ils étaient immédiatement repérés, soit par l'aviation le jour, soit par nos patrouilles la nuit, soit par la population qui nous donnait immédiatement le renseignement, car 75% de la population algérienne d'Algérie était contre le FLN. Et la vérité, c'est ça. Et pourquoi elle était contre le FLN? Parce qu'elle avait vu tellement de cadavres, sur les routes, dans les cars, dans les trains, partout, qu'elle en avait ras-le-bol. Ce ras-le-bol a été exprimé à l'explosion populaire du 13 mai 58. Ça a été le rejet total. Ça a été le niet définitif au FLN. Moi, je m'en étais rendu compte 2 jours avant le 13 mai, le 11 mai. Mon général m'avait dit, Moinet, vous organisez une cérémonie parce qu'il y a un colonel qui part au Telag, c'était au centre de l'Oranie. Monter un dégagement de départ du colonel, etc. Ce que j'ai fait, je n'avais pas prévu, c'est que 12 000 Arabes descendent des villages pour le départ du colonel, que le défilé qui était prévu pour une demi-heure a duré 3 heures, que tous les chefs de village étaient là avec les djemmas, leur assemblée, avec les équipes de jeunes, avec les ballons de football, etc., avec les officiers SAS. Et tout le monde a été soufflé, on a été cherché en vitesse, vent du bas, en hélicoptère, deux musiques pour compléter celles qui jouaient, parce que les gars, ils étaient crevés, ils ne pouvaient plus continuer à jouer, ils n'en pouvaient plus. Hein. Et ça n'arrêtait pas, et ça descendait tout le temps. J'ai organisé comme ça en vitesse un méchoui de 800 moutons pour toute cette population, chaque village correspondant avec une compagnie, une batterie, un escadron, un capitaine, etc. Hein. Et il y a eu pendant tout l'après-midi une diffa incroyable. Les femmes sont sorties avec les roll-roll, les tambourins, dansaient. C'était la paix qui montait, c'était la fin des guerres. Le 11 mai. L'état-major d'Alger était venu voir un peu ce qui se passait. Ils ont été tout de suite renseignés sur l'ambiance du bled 2 jours après, c'est 13 mai. C'était prêt pour la paix. À 17h, les mouvements patriotiques et les associations d'anciens combattants doivent déposer des gerbes de fleurs au monument aux morts à la mémoire de 3 soldats français, le sergent Richomme, les deuxièmes classes de Courtex et Feuillebois, récemment assassinés par le FLN. Mais ce n'est déjà plus de l'émotion que ressent la population algéroise. C'est un véritable sentiment de révolte qui souffle rue Michelet, rue d'Isly, boulevard Pasteur, tandis que les délégations venues non seulement d'Alger, mais de Rivet, de Coléa, de Blida, de Cherchel, convergent vers le monument aux morts. La cérémonie du souvenir est couverte par les cris de la foule qui chante la Marseillaise. Yeah.
C'est alors qu'un homme est intervenu, en quel nous avons cru, pendant un premier temps, comme je vous le disais, et qui a trahi. Et cet homme a trahi, et tout le monde sait qui c'est. Vive l'Algérie française ! En Orient, c'est d'autant plus grave. La parole donnée est très importante. Ah, vis-à-vis du Moyen-Orient et de... Oui, de l'Orient. Et vis-à-vis de l'Arabe. Ça ne pardonne pas. Les Arabes sont comme tous les peuples. Ils ont des qualités et des défauts. Ils ont deux qualités majeures. C'est la fidélité. Vraiment. La fidélité. Et le respect de l'autorité quand elle est juste et quand elle respecte ses engagements. C'est ça l'arabe. Ils sont comme ça. Et l'attitude de Gaulle les a d'abord étonnés, bouleversés, puis immédiatement retournés au profit du FLN. C'était évidemment le but de la manœuvre, puisque nous le savons maintenant, depuis 1956, De Gaulle voulait quitter l'Algérie. Il l'a écrit à l'époque, et donc quand il est arrivé en 58 au Forum, c'était avec, au fond de lui-même, la volonté de quitter l'Algérie. Nous le savons tous maintenant. Ils étaient plusieurs centaines de mille devant le palais d'été. Ils étaient 600 000 l'après-midi au Forum, foule immense, foule impressionnante. Je vous ai compris. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. L'armée française a été sur cette terre le ferment, le témoin, et elle est le garant du mouvement qui s'y est développé. Ceci s'est traduit quand même, pendant 4 ans d'attente, par un certain nombre de morts, de sacrifices, et par quel gâchis. Et les capitaines, qui étaient justement les jeunes capitaines, qui étaient responsables un peu de leur quartier, ont été, une fois de plus, après avoir été comme lieutenant meurtri en Indochine, ont été écœurés et révoltés par l'Algérie. Parce que l'engagement était plus important encore. Il y a eu de tout temps, dès notre arrivée en 1830 en Algérie, une armée d'Afrique, avec des Arabes volontaires. Les premiers turcos, les premiers tirailleurs, les premières unités qui étaient à Sébastopol, puis tout le reste, toutes les guerres, l'Indochine, tous ces conflits dans lesquels ils nous ont accompagnés et ils nous ont aidés. Chacun appelait le pays au fond du cœur.
Il y avait donc cette dette nationale vis-à-vis d'eux, déjà. Il y avait ensuite l'engagement de 200 000 d'entre eux dans l'armée française. On en refusait beaucoup. Comme le dit très bien le Bachaga Boualem dans son bouquin « On paye la France », on aurait pu en avoir 500 000. Mais il faut avoir l'armement, il faut avoir les possibilités de le faire. On n'avait pas assez d'armes pour répondre aux engagements. Tellement la poussée était forte. Moi, j'en ai refusé énormément dans mon escadron. Quand je suis arrivé à l'effectif de 80 pour faire une arca montée, je pouvais pas aller plus loin. J'ai eu la chance de vivre et de suivre toute l'évolution de ce problème harki, puisque pendant une année, comme chef du 5e bureau de la 13e division de Bellabès, j'avais reçu mission d'organiser la création de 15 harkas dans le centre de l'Oranie. Ces unités étaient évidemment toutes rattachées à une formation d'armée régulière et travaillaient en accord direct avec elle. Mais c'est surtout à la tête du 2e escadron du 9e hussard que pendant 2 ans, j'ai pu apprécier sur le terrain l'efficacité de l'ensemble blindé, harki monté. Recherche du renseignement, protection des populations, course aux rebelles sur les hauts plateaux, en réserve pour le barrage et pour la ligne Maurice sur la frontière marocaine. Nous formions un ensemble très cohérent entre chars et unités montées, avec parfois intervention d'autres unités. Je me souviens encore là, au moment où je vous parle, de la liquidation du reste de la Katiba de l'Awari, qui avait fait des ravages dans la région et assassiné un nombre incroyable de musulmans, de chefs de douars, de résistants face au FLN, dans la région de Slissen-Chitwan. Eh bien, c'est la combinaison escadron, éléments portés à pied et cavaliers qui était venue à bout de l'Awari. Chose apparemment étonnante, mais en définitive très normale, sur le terrain en Algérie, nous retrouvions également l'esprit cavalerie de Saumur, mais l'esprit cavalerie toujours, à savoir l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipage, pour lequel d'ailleurs j'avais choisi cette arme. Et également la rapidité dans l'exécution, dans l'action. Les mouvements tournants, les mouvements de débordement, fixés, débordés. Eh bien, ceci s'appliquait parfaitement avec un escadron de M24 Chafi, de chars légers, et avec une harka montée à cheval. Autre facteur important, c'était l'effet moral de la présence des familles de harkis, et des harkis eux-mêmes, bien sûr, à côté même, vivante à côté de l'escadron. Là, le contingent sentait que toute une partie de la population non seulement nous était favorable, mais combattait avec nous. La tactique à laquelle était parvenue l'armée d'Algérie dans les années 60-61 avec le général Schall, la combinaison des unités montées, des unités blindées, des unités d'armée de métier, légions para, et les unités du contingent qui, elles, quadrillaient tout le territoire. De l'aviation, des hélicoptères, permettaient non seulement de repérer, mais de liquider les bandes rebelles grâce à une coordination extraordinaire de tous les moyens. Il n'y a pas de secret, la victoire se traduit toujours par des chiffres. Et je pense qu'il est nécessaire de rappeler, puisque j'évoquais tout à l'heure la présence de 200 000 Algériens dans les rangs de l'armée française, que lorsque nous avons signé Évian, il restait sur tout le terrain algérien 3 800 Felaga en armes. Je répète, 3 800 contre 200 000. Voilà l'aventure que nous avons vécue sur le terrain et que nous retrouvons ensemble d'ailleurs. Je dois le dire presque chaque année avec mes anciens de l'escadron, avec Bretous, avec Le Goff, avec Pissouat, avec tant d'autres,
là où, au cours de réunions d'anciens d'Algérie, les grades s'effacent un peu, et où se retrouvent les hommes qui ont vécu ensemble, ce que l'on appelait ici de façon bien légère et souvent très indifférente, l'affaire algérienne. Alors il y avait le fait que tout un passé militaire qui était à la base même de l'Algérie, qui remontait à Bugeaud et à toute la suite, et à l'IOT, que tout ce passé était gommé, en même temps que nous imposions à 1 million de nos frères compatriotes français européens l'exode et l'abandon de tout. Je vous disais qu'en 40, j'étais parti avec ma mère. Quand vous partez en temps de guerre, comme réfugié, vous savez bien que ça ne durera pas la vie entière. Vous savez bien que la guerre ne sera pas éternelle et qu'elle pourra durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais que vous reviendrez chez vous. Là, non, c'est fini. Et quand je les ai vus sur le port d'Alger, le port de Rouen, les premiers que j'ai vus, avec leurs enfants, un matelas, 2 valises, je me suis senti honteux d'être officier français. Honteux. Et je ne savais pas encore ce qui allait suivre. C'est-à-dire que j'ignorais que mes compagnons français musulmans, mes hommes, qui s'étaient engagés avec le capitaine Moinet, car c'est ça l'engagement. Ben, c'est pas, ils ne vont pas s'engager avec le général, machin, pas du tout. C'est une action locale où la population allait voir le lieutenant un tel, le capitaine un tel, et s'engager avec lui. Mais du même coup, lui s'engager avec eux. Quand un Français musulman vient avec son cheval, sa famille s'installe à côté de votre escadron, où il sera protégé, et avec lequel il va vivre complètement. Il va participer à vos opérations, il va mener le combat avec vous. Vous vous engagez, vous, vis-à-vis de lui, et vis-à-vis de toute sa famille. C'est ça l'engagement. Il n'est pas à sens unique, il est double. Et pour nous, c'était terrible, car nous trahissions notre engagement vis-à-vis des populations. Il était là le problème, beaucoup plus que toute autre chose. Et ce fut le drame pour presque tous, en dehors de ceux qui trouvaient ça très bien, parce que ça leur permettrait de rentrer en métropole plus vite que prévu. Mais ça, ça se trouve aussi toujours. Voilà donc ce qu'a été pour un capitaine lambda, un capitaine moyen, un capitaine comme tous les autres, à la fois l'émission, l'épreuve et le redoutable départ de la fin. Où sont les toubibs? Où sont nos anciens? Où sont les médecins? Où sont les professeurs? Où sont les bâtisseurs d'empire? Où sont les ingénieurs? Où sont les prêtres? Où sont les pères blancs? Où sont les sœurs qui travaillaient comme infirmières? Où ce monde est-il passé? Tout ce monde-là a été balayé. Merci de Gaulle. En 1827, tous les États d'Europe, la Prusse, l'Italie, l'Espagne, la toute nouvelle Belgique,
qui allait être créée. Car la Belgique n'est pas plus vieille que l'était l'Algérie française. Pas plus que la Savoie ni le canton de Nice. Les Pays-Bas se réunissent dans ce qui a bien longtemps été la capitale de l'Europe et qui nous fait sourire lorsqu'aujourd'hui on nous parle de l'unité européenne, et là où est enterré Charlemagne, Aix-la-Chapelle. Et Aix-la-Chapelle est à 40 km de Maastricht. Et tous les chefs d'État ont demandé au roi de France d'intervenir d'urgence sur Alger pour libérer un service maritime et des liaisons maritimes en Méditerranée qui étaient devenus impossibles. Tous les bateaux étaient interceptés par ce qu'on appelait les flottes barbaresques. Aucun bateau ne passait plus, qu'il fût espagnol, français, italien, bref, anglais, américain. Trois venaient d'être traînés lamentablement jusqu'au port d'Alger et sauvés par les Portugais en catastrophe. 10 000 esclaves étaient dans le port d'Alger, enchaînés. Et Victor Hugo l'écrivait en des vers extraordinaires. Toute la France le savait, toute l'Europe le savait. Comment sortir de ce piège et de cette formidable razzia qui était devenue l'action de la flotte turque ottomane centrée sur Alger, sur tous les bateaux d'Europe, sur tous les bateaux roumis, pour ensuite les revendre à des prix fabuleux et remplir d'or les caisses du dey d'Alger et surtout les caisses du sultan de Constantinople. Voilà pourquoi seulement le maréchal de Gaumont, ministre de la guerre, chef des armées, devant 40 000 hommes, débarque à Sidi Ferruche. À la demande, je le répète, de l'Europe. Nous étions embarqués dans une aventure merveilleuse. Merveilleuse pour le peuple algérien, devenu après l'invasion arabe et après des siècles de chrétienté, devenu après que les berbères aient évangélisé la Gaule, après que Victor Ier, 10e pape de Rome, berbère, ait installé le latin, l'imposant aux Italiens, et créant à partir de là, avec l'aide du 32e pape, lui aussi berbère, qui allait venir plus tard, toute la base du droit des textes et de l'ensemble des écrits de notre religion chrétienne. Nous étions partis là vers une aventure humaine extraordinaire dans laquelle se sont engouffrés vos ancêtres, nos anciens, les gens de métropole, les généraux, Bugeaud, tous les autres, les grands noms de la Vigerie, qu'allait suivre Foucault, les grands noms du duc de Mal, qu'allait suivre Lyautey, et qu'allait suivre in fine Salan. Elle est là la grande lignée militaire. Elle est là la grande histoire de l'armée d'Afrique qui est venue libérer ce territoire où nous sommes aujourd'hui. Que serait devenue la France sans le général Végan qui avait préparé l'armée d'Afrique? Et que serait devenue la France sans nos amis musulmans, sans les tirailleurs, sans les spahis, sans les turcos? Où serait la France? Comment chiffrer 5 générations de labeur? Comment chiffrer le courage de nos anciens? Comment chiffrer la formidable irrigation installée en Algérie? Comment chiffrer les ports
les barrages. Comment chiffrer ces millions d'arbres qui bloquaient les terres de l'Atlas en diguettes sur 1000 kilomètres, compagnie de restauration des sols française. Et plus au sud, ces millions d'arbres qui bloquaient l'avancée du désert, qui depuis votre départ ne cesse de progresser vers le nord, comme il était bloqué par les spécialistes que nous avions des eaux et forêts. Comment chiffrer les aérodromes? Comment chiffrer les lycées, les collèges, les hôpitaux, qui étaient les plus brillants de France, qui avaient une avance formidable au point de vue technique sur les hôpitaux de métropole? Et tous les médecins d'Algérie et de métropole vous le diront. Comment chiffrer? Comment chiffrer la découverte du gaz et du pétrole? Comment chiffrer le coût, puisque nous avons tous vu percer les premiers puits, 55, 56. Comment chiffrer l'exploitation, l'installation d'Arzeux, l'installation de la Cime Saoud, les axes, les pipes, les routes? Comment chiffrer? D'Algérie sont venus dans la métropole pour alerter l'opinion sur le sort de leurs communes éprouvées. En marge des cérémonies officielles, nous avons voulu connaître leurs pensées. Et nous avons demandé à M. Beaujard, maire de Blida, si tous les Français d'Algérie sont vraiment des colonialistes et des exaltés. Leur exaltation, ce n'est plus patriotisme. Si appelés colonialistes, des hommes qui ont travaillé, qui ont fécondé, tous les Algériens acceptent d'être des colonialistes. Mais si colonialiste, ça veut dire apporter le génie colonisateur de la France, il revendique cet honneur. Il y a 22 000 colons en Algérie. 22 000 sur 1200 000. Les autres sont des commerçants, des fonctionnaires, des instituteurs, des ingénieurs, des gens qui ont apporté dans ce pays la formation nécessaire pour faire évoluer une masse qui aujourd'hui est nombreuse à pratiquer les mêmes métiers et pratiquer également la même activité que les premiers Français qui sont venus en Algérie.
et vous abandonneriez tout. Vous perdriez toutes vos positions d'outre-mer. Et la France se trouverait réduite à quoi à ce moment-là? À un petit peu. Et puis, et nos musulmans qui ont confiance dans les destinées françaises, allez-vous les abandonner? J'avais dit en partant d'Algérie que j'irais jusqu'au bout. Et que je rentrerais, donc en 57, début 57, et que je rentrerais civil ou militaire. Et on sentait parfaitement que nous risquions qu'on nous refasse le coup d'Indochine. Voyez-vous, en partant, je l'ai dit, en sortant de l'école d'état-major, je fais l'Indochine, un an d'Allemagne, dans les régiments de cavalerie, instructeur à Saumur 2 ans, aux officiers de réserve, l'école d'état-major. À la sortie de l'école d'état-major, l'Algérie, un déroulement. Et donc, nous étions déjà très méfiants au départ. Ça n'a pas raté. Bien que nous ayons cru, j'ai cru, à la résurgence du 13 mai. J'y ai cru très profondément. Je me suis dit, au fond, le général de Gaulle, à Colombey, a réfléchi à tout ça. Ça n'est plus le de Gaulle de 1945. C'est un autre homme qui a d'autres vues. Il était pire qu'avant. Comment le deviner? Il fut pire encore après. Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de 5 ans. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vaincre, mais elle veut aboutir à une paix qui soit la paix de telle sorte que le drame ne puisse pas recommencer et de manière à ce que l'Algérie, en fin de compte, ne soit pas perdue, ce qui serait un désastre pour nous et pour l'Occident. Je m'adresse d'abord à la communauté de souche française en Algérie. Elle me connaît depuis bien longtemps. Je me suis trouvé au milieu d'elle, et notamment pendant la guerre, quand un grand nombre de ses fils servaient dans l'armée de la libération, ou bien après la secousse de mai 58, quand j'ai pris la tête de la France pour rétablir l'unité française de part et d'autre de la Méditerranée. Thank you.
peau tachée du sang d'Hernandez. La foule qui crie Algérie française. Des civils en armes derrière des pavés. Je suis dans l'enceinte du camp retranché. Il y a quelques heures, une fusillade a semé la mort chez mes camarades. Venant du forum avec leurs fusils, des gardes casqués ont tiré ici sur cette esplanade. Des barricades se sont élevées. Drapeau taché. Lorsque le FM a craché ses balles, les pieds noirs chantaient l'hymne national. Un homme parlait du haut d'un balcon. Alger se levait contre l'abandon. La nuit qui commence sera difficile. Effectivement, cette nuit sera difficile. Le général Challe, qui commandait en chef en Algérie, et qui, il faut le noter pour bien comprendre l'enchaînement des faits, avait remplacé le général Salan après le 13 mai 58, fin 1958. Le général Challe exige la reddition de la Gaillarde le 1er février 1960. Or, il se trouve qu'il sera lui-même remplacé par le général Crépin dès le 23 avril de la même année, en 1960. De 58 à 60, Challe avait mené des opérations remarquables sur l'ensemble du territoire algérien et incontestablement avait annihilé toute la puissance de feu et la présence des Fellahs en Algérie. Or, quatre mois après les barricades, il est lui aussi chassé et remplacé par le général Crépin. Il nous faut noter également que, immédiatement après les événements des barricades, les colonels Godard, Broisat, Argout, Garde avaient été chassés d'Algérie et que le colonel Bijard s'était vu affecté en Afrique noire. En réalité, tous les éléments favorables à l'Algérie française étaient éliminés du territoire. On leur retirait leur commandement et ils étaient peu à peu relevés par des colonels et des généraux favorables au pouvoir. Cette opération s'est déroulée pendant à peu près 2 ans. Mais les choses s'accentuaient en même temps au fil du temps. C'est ainsi que l'affaire Sissala, le 10 juin 60, marquait la volonté absolue de ne pas écouter les combattants FLN qui désiraient se rendre en masse et marquer la même volonté de poursuivre les négociations avec le FLN à l'extérieur. Sissala se présentait le 10 juin 1960. Il était liquidé par nos services secrets par le 11e choc après sa rencontre avec De Gaulle. Le général Salan se voyait interdit en Algérie. Le 4 novembre 1960, c'est la fameuse tournée des popotes, au cours de laquelle le général, qui s'était toujours présenté aux officiers comme étant le défenseur de l'Algérie française, affirme tout simplement « La République algérienne existera ». Les accords secrets, alors que, souvenez-vous,
De Gaulle avait dit très clairement, je ne négocierai jamais avec le FLN. Organisation rebelle qui prétend ne cesser le feu que si au préalable je traite avec elle par privilège de l'avenir politique de l'Algérie, cela je ne le ferai pas. Les accords secrets avec le FLN sont engagés à Melun en juin 60, puis en Suisse. Le général Crépin, à son tour, est relevé et remplacé par le général Gambiez, fidèle des fidèles, qui devient commandant en chef le 1er février 1961. Un mois plus tard, en mars 61 donc, le gouvernement annonce les négociations d'Évian avec les rebelles. Et le 21 avril 1961, ce sera le putsch lancé par les quatre généraux que nous savons, deux métropolitains, le général Schall et le général Zeller, un pied noir, le général Jouot, et le général Salan, l'ancien, le plus décoré des troupes coloniales, qui rejoint Alger. Gouvernement d'abandon a prôné successivement l'Algérie française, l'Algérie dans la France, l'Algérie algérienne, l'Algérie indépendante associée à la France. Il s'apprête aujourd'hui à livrer définitivement l'Algérie à l'organisation extérieure de la rébellion. Voulez-vous que Mers el-Kébir et Alger soient demain des bases soviétiques? Le général Massu, patron de la bataille d'Alger, avait la confiance absolue des pieds noirs. Sollicité, il hésitera, puis refusera de participer au putsch. Par contre, tous les leaders du 13 mai 58, parmi lesquels Ortiz, Susini, le docteur Pérez, Santini et bien d'autres, se retrouveront dans le sillage de l'opération engagée, tous favorables à l'Algérie française, bien sûr. Et ce sont ces hommes-là qui encadreront la population qui, en grande partie, est favorable au putsch. Seul Martel, président du MP13, avait, pour ainsi dire, pressenti la précarité de l'entreprise. Effectivement, la population ne sera jamais appelée à participer directement à l'action sur le terrain. C'est en vain qu'elle attendra des ordres. Au bout de 4 jours, le putsch est un échec. C'est alors l'OAS, organisation fondée depuis peu en mars 61, qui récupérera les hommes désireux de poursuivre secrètement la lutte en Algérie et en métropole. Nous sommes allés très très loin pour l'Algérie. Et il m'arrive même quelquefois, en pensant à l'Algérie et dans un décor comme celui-ci, presque avoir un regret. J'aurais peut-être aimé aussi, moi, que ma vie s'arrête avec celle de l'Algérie. Ça a été la rupture, ce que j'appelle dans mon prochain livre la déchirure. Et la déchirure était véritablement opération chirurgicale. D'ailleurs, ne vous faites aucune illusion, il en est mort. Vous savez, et c'est là qu'on est moche, qu'on est lâche. Voilà des films à tourner. Pourquoi rien là-dessus? 6 ans de cavale, avec toutes les polices d'Europe qui vous cherchent. Changement de chambre tous les 3 jours. Et 4 enfants qu'on ne voit jamais. 6 ans. Ça vous abîme un homme, très profondément. Moi, je connais bien ces garçons. Et je reprécise que je n'étais pas OS. Mais je vibrais et je comprenais bien ce qui leur arrivait. Et j'en souffrais beaucoup. Et j'en souffre toujours. Je pense à Salan, je pense à tous ces hommes qu'on a usés en prison. Usés. Oui.
Il y a deux façons d'assassiner les hommes. Hein. On les tue ou on les diminue jusqu'à la mort. On les lime. La petite mort. La petite mort. De même que de ces guerres révolutionnaires sont sortis évidemment beaucoup de tués. Dans ma promotion 90 en Indochine, beaucoup de blessés physiques, mais beaucoup de blessés moraux, de blessés de l'âme, qui ne s'en sont jamais remis. Parce que quand vous subissez, et pourquoi je vous remercie de venir pour ça, où on peut raconter un peu et rassembler les souvenirs dans une suite. Hein. Quand vous subissez 40, puis une petite résurgence en 44, et puis l'Indochine, et puis l'Algérie, mais il y a de quoi vous tuer un homme, vous comprenez, moralement. Si cet homme-là a eu un commandement, et c'est le propre des lieutenants et des capitaines, des petits officiers, des jeunes officiers, avec des autochtones. Hein, mes partisans de pays taille ont tous eu la tête coupée après Dien Bien Phu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais eu la chance d'être rapatrié 6 mois avant Dien Bien Phu à peu près. Immédiatement après Dien Bien Phu, mes partisans, les principaux notables, les chefs de village, les tassins, les chefs de département, les Fusoy, les adjoints, les Naïban, tous ces gens-là, au sabre. Première épreuve. Deuxième épreuve, 10 ans après, mes harkis pendus, brûlés au pétrole. Comment voulez-vous que je puisse saluer un général? Comment voulez-vous que je continue à servir le chef de l'État saint-cyrien, général, responsable de cette opération? C'est pas possible. Le contrat a été déchiré par qui? Et un garçon comme sergent que je connaissais très bien parce que nous avons préparé Saint-Cyr ensemble et il avait exactement le même âge que moi et nous avons vécu bien sûr donc tout ce que je vous ai raconté sur l'occupation etc. de la même façon. Exactement de la même façon. Et en 45, ensemble nous avons lancé le petit journal sur le casoir tout de suite, tous les deux. Je le connaissais depuis très longtemps, bien avant tous les événements d'Algérie. Quand on a fait cette longue marche, cette longue route ensemble, on ne se quitte pas. C'est pas possible. Et ces hommes-là ont terriblement souffert. Beaucoup sont morts. C'est le cas de sergent qui, sans toutes ces épreuves, ne serait pas mort. C'est évident. Ils étaient frappés au plus profond. Tous. Moi, je n'ai jamais quitté l'armée. C'est l'armée qui m'a quitté. Elle m'a quitté en 1962. Elle a déchiré le contrat. Moi, je n'ai pas déchiré le contrat. Je n'étais pas OS. J'étais Algérie française. Intensément Algérie française. Et je n'étais pas OS parce que
Et je l'avais dit à tous mes camarades. C'était le piège. C'était le Dien Bien Phu de l'Algérie. Ah oui. L'ennemi, avec une bonne propagande lancée sur la France, l'ennemi n'était plus le FLN, c'était l'OAS. Et c'est là qu'on a été complètement trahi, doublement trahi par le gouvernement, mais qui avait subtilement laissé courir l'affaire. Et je m'en rendais compte, je le savais bien, et c'est malheureusement comme ça que c'est terminé, et que sont tombés des hommes extraordinaires. Et en repensant à eux, en pensant en particulier à Pierre Sergent, que nous avons accompagné il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines, dans sa dernière demeure, en pensant à ces hommes d'un dévouement, d'un patriotisme extraordinaire, qui ont été précipités dans une sorte de gouffre, et dont là encore j'interdis à qui que ce soit de porter jugement, sur lesquels on n'a pas le droit de porter la moindre appréciation, si l'on n'a jamais été en Algérie, si l'on n'a pas vécu cette catastrophe psychologique et mentale que nous subissions après des années de combat sous la pression de Gaulle, si on n'a pas été le 13 mai à Alger, 13 mai 58, si l'on n'a pas vu de Gaulle le 20 juin 58, si l'on ne l'a pas écouté, et nous y étions tous, si on n'a pas vu les musulmans qui avaient ressorti leurs décorations, qu'interdisait le FLN, tous les avaient ressortis, hurlaient, des millions, partout, à Bel Abbès, à Tlemcen, à Oran, à Constantine, dans le sud, à la Gouate, toute l'Algérie criait sa victoire contre le FLN. Et cet homme est venu en disant, cette victoire, je vous l'assurerai, et jamais, moi vivant, le drapeau du FLN ne flottera sur Alger. Il faut avoir été, comme je l'étais à Mostaganem, à 30 mètres de Gaulle, pour avoir le droit d'en parler. L'OAS a été la désespérance. Mais la désespérance a été provoquée. Les populations étaient folles. Les musulmans en 62 étaient fous. L'armée était folle. On l'avait rendue folle. Et le responsable, ce n'est pas le garçon qui prend son PM ou qui prend sa tenue et qui s'en va en disant « Moi, je ne marche pas et je me battrai », c'est l'homme d'État qui a provoqué cet état de choses et ce climat du moment. C'est lui le responsable. C'est De Gaulle qui a amené l'OAS, qui a provoqué psychologiquement, humainement l'OAS, qui a installé le FLN, qui a laissé assassiner nos 120 000 camarades harkis. C'est Charles De Gaulle. Et son équipe, son apparatchik, c'est lui. Et c'est lui qui est le responsable de l'existence de l'OAS. C'est clair, ça. Mais ne peuvent en parler, voyez-vous, que ceux qui l'ont vécu. Les autres essaieront de comprendre, mais ils n'auront pas vu les cadavres dans les rues. Ils n'auront pas vu les femmes enceintes au ventre ouvert au couteau par le FLN. Ils n'auront pas vu ce qu'est un harki la nuit, quand vous marchez à côté de lui, à la recherche des félouses, et que vous êtes avec lui comme avec un frère. Si on n'a pas vécu ça, on ne peut rien comprendre. Rien.
Cette atroce fusillade marquait la rupture définitive, voulue et organisée. Une unité de l'armée régulière avait ouvert le feu sur la population civile sans défense. Mais qui avait déclenché le tir? Que sont donc devenus les barbouzes amenés sur place, parmi lesquels les agents Viet installés sur les terrasses qui entouraient la poste d'Alger? Thank you.
nous n'étions pas au service de quelques-uns, mais au service d'une cause, Général Chasles. Monsieur le Président, on peut demander à un soldat de mourir, c'est son métier. Mais on ne peut lui demander de se renier ou de se parjurer. Je pardonne à mes juges. On m'a dit que j'étais un tueur, un criminel. Mais crois-moi, cher monsieur, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis un simple soldat, un simple légionnaire, qui a voulu défendre l'honneur de son régiment, être digne de son arme et de ses officiers, et défendre la terre sur laquelle tant des nôtres sont tombés. Pour aujourd'hui, je vais arrêter ma lettre en vous disant encore merci pour la vôtre. Claude Piex vous envoie un bonjour et toutes ses amitiés, ainsi que votre légionnaire, Bobby Dovka. Trois officiers en activité furent convoqués par le haut tribunal militaire comme témoins à décharge. L'amiral Ploix, le général Depouilly, le capitaine Moinet. Nous fûmes confrontés aux pires difficultés pour rejoindre le palais de justice. Par le biais de l'article 16 de la Constitution, nous vivions en plein arbitraire. Ministre des armées, Mesmer s'opposait par tous les moyens à notre déposition. Malgré menaces et sanctions, je tenais pourtant à défendre notre ancien patron d'Indochine et d'Algérie. On tenta de m'arrêter à l'intérieur même de la salle des témoins. Grâce à l'intervention des avocats, je pus néanmoins prononcer ma déposition. À la sortie du palais, j'étais arrêté. Depuis que j'assiste en cette salle d'audience de Général Salan, jour et nuit, j'entends monter des grandes nécropoles militaires, des petits cimetières de ce qui fut le front, de Lorette ou de Douaumont, de Cassino, de Mulhouse ou de Caubang, j'entends monter l'innombrable oraison de ceux qui ne sont plus, mais qui ne sont plus, parce qu'ils ont tout donné à la patrie. Ceux-là qui savent sont aux côtés de celui qui pendant des années fut leur camarade avant d'être leur chef. Ceux-là savent, monsieur le procureur général, le prix du sang. Et certains sont couchés auprès de leur fils pour avoir une double fois accompli l'ouvrage et avoir refusé d'amener le drapeau. Ils ne peuvent pas comprendre, eux, les méandres dans lesquels nous nous trouvons, et alors ils prient dans la communion des héros et des martyrs de notre patrie pour qu'un jugement n'ajoute pas à l'ensemble des malheurs le malheur qui dure plus que les autres. Vous avez parlé, vous ne le pouviez point, du tribunal de Dieu, nous sommes devant le tribunal des hommes. Et aujourd'hui, dans ce mois qui est consacré à la mère de tous les hommes, je dis au haut tribunal militaire, il ne faut jamais jeter une ombre de deuil dans le printemps de Marie. Il ne faut pas placer dans l'avenir qui est devant nous le germe fondamental de la discorde éternelle. Vous avez, messieurs, ce soir entre vos mains le moyen d'accomplir un geste pour que se réalise au bout de la nuit la fragile et difficile unité des vivants. Je suis algérien. Avais-je le droit d'abandonner les gens de mon pays? J'ai fait face. Je n'ai qu'un regret, celui de ne pas pouvoir mourir sur cette terre d'Algérie. À part cela, je ne regrette rien.
extrait de sa dernière lettre. Mon serment, je l'ai fait sur le cercueil du colonel Jean-Pierre. Plutôt mourir, mon colonel, que de laisser l'Algérie aux mains du FLN. Je vous le jure. De celles qui ont été mes compagnes de détention. Ces femmes de l'OAS, longtemps restées dans l'ombre, mais qui ont à jamais marqué l'histoire de la petite Roquette par le courage et la dignité avec lesquelles elles ont subi des peines allant jusqu'à 18 ans de réclusion. Noël Lucchetti, Paul de Lifiac, toutes deux décédées en 92, Madame Salasque, Claude Raymond, Madame Lung, Marguerite Lombard, Anne Goua, Betty Lopez, Michel Gomez, Claudine Dupont, Yolande, Béatrice, Claudine ou tout simplement Sophie, je ne peux malheureusement les citer tous. Comment un polytechnicien marié, père de trois enfants, de bonne et honorable extraction, parfaitement assuré de l'avenir, comment cet homme est-il devenu l'accusé numéro un au procès du petit Clamart? Messieurs, tous les Français nationaux qui nous ont précédés devant ce tribunal ou devant d'autres cours de justice, et en particulier le général Salan, ont qualifié, comme il convenait, la rupture de ses engagements de juin 1958. Le parjure qui en est résulté constitue l'une des plus grandes et peut-être la plus grande imposture de l'histoire de France. La rupture de ses engagements qui, à partir de 1959, allait être consommée dans les faits en vertu de déclarations et initiatives successives savamment graduées, constitue une escroquerie politique et morale apparemment sans précédent. Ses conséquences en furent à la fois tragiques et immenses, et ses conséquences sont très loin d'être épuisées aujourd'hui. Dès lors que l'on avait basé une politique sur le parjure et sur le reniement, il devenait impossible de s'arrêter de mentir, de se parjurer et de se renier. Dès lors, à notre avis, en même temps qu'un sens personnel démesuré, une très forte imprégnation matérialiste et marxiste. Car le sens de l'histoire, le grand vent de l'histoire, sont des notions matérialistes et marxistes. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Il n'y a pas de vent de l'histoire, car ce qui fait l'histoire, selon notre conception occidentale et chrétienne, qui est vérifiée par tous les faits historiques, c'est la volonté des hommes. Il devait ajouter à sa déclaration du 2 février 1963, devant l'histoire, devant nos concitoyens et devant nos enfants, nous proclamons notre innocence, car nous n'avons fait que mettre en pratique la grande et éternelle loi de la solidarité entre les hommes.
Je crois qu'il faut dire de Bastien Thiry ceci. Tu n'es pas vu mourir en criant « Vive la France !» C'était pas son genre. Il est mort en égrenant son chapelet et en priant pour la France. Comment ne pas évoquer maintenant le colonel Vaudrey, le colonel Godard, le commandant Casati, Jean-Luc Biberson, le commandant Niot, Charles Daudet, le capitaine Lepivin, Jean de Brême, Alain Mouzon, le lieutenant Gavaldon, le commandant Bazin, ainsi que tous les hommes et les femmes qui payèrent de leur sang et de leur liberté la répression organisée de concert entre le gouvernement français et le FLN. Ils rejoignaient ainsi les milliers de victimes civiles et militaires, connues ou inconnues, petits pieds noirs ou deuxième classe, soldats de métier, garçons du contingent, frères d'armes de toute confession, petits colons. Ils furent si nombreux à tomber sous les balles de la rébellion pour que demeure l'Algérie libre et fraternelle. Prisonniers politiques pour fidélité à l'Algérie française souffrent dans les prisons. 1500 pieds noirs attendent depuis un an déjà de passer en jugement. Légion d'honneur et médailles militaires, croix de guerre, sont accrochées aux portes des cellules. Le 29 septembre 1963, c'est sous le vocable de Notre-Dame de la Merci, des captifs, que les pèlerins affluent de tous les coins de France. Ce pèlerinage est placé sous la présidence d'honneur de Madame Charles Péguy et sous le haut patronage des trois maréchales de France, la maréchale Delattre de Tassigny, la maréchale Leclerc de Hotlock et la maréchale Join. Que pensent aujourd'hui les Algériens? Les Algériens, comme les Tonkinois, comme les Cochins chinois, comme les Annamites, n'ont rien oublié. Ils sont en guerre révolutionnaire totale. Il en tombe un certain nombre tous les jours, dont la presse ne parle jamais. Qui nous dit que M. Chadli est en résidence surveillée? Qui nous dit qu'il y a 10 généraux en prison? Qui nous dit que l'on cherche 28 milliards de dollars dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus dans les mains du FLN? Qui nous dit qu'il y a des accrochages dans le Djebel qui durent pendant 2 jours? Pendant 2 jours, on ne cherche pas un poseur de bombes. On accroche une compagnie, une katiba, un vrai maquis pendant 2 jours. Personne n'en parle.
puisque M. Bourges ne veut pas en parler. Qui nous dit où en est la jeunesse algérienne qui est au chômage à 60%? Or, il y a dans ce pays pratiquement maintenant 70% de moins de 25 ans. Et qui nous dit qu'on fait la queue à Alger pour avoir du pain à 5 heures du matin et que l'on coupe l'eau à 7 heures pour la remettre à 9 heures du soir? Et qui nous dit que ce peuple étant complètement désorganisé, étant en situation de rébellion permanente, mais sous forme armée? Qui nous dit que l'Algérie a 25 milliards de dollars de dettes à l'échelle internationale, que nous allions lui larguer 10 milliards de francs dans 8 jours, monsieur Dumas? Qui nous dit que nous sommes encore à la remorque de ce gouvernement de tueurs et d'assassins du FLN rejeté par tout le peuple algérien, tout le peuple algérien, et que monsieur Rocard et autres s'empressent d'envoyer du matériel anti-émeute absolument neuf français la nuit par le port de Marseille sur Alger? Qui nous dit que nous avons, pour des histoires de pétrole lamentables, à payer à l'Algérie le pétrole que nous avons installé, que nous avons trouvé, que nous avons organisé et transformé à Arzeux et partout dans les usines que nous avons montées, 16 ou 18% au-dessus du tarif mondial? Qui nous dit la vérité sur l'Algérie? Personne. Ni la gauche, qui traînait les valises pleines de fric et pleines d'armes pour le FLN pendant des années, n'est-ce pas, Madame Sagan et les autres, ni les gaullistes qui ont amené le FLN au pouvoir. Tous ceux qui sont au pouvoir en ce moment étaient des fellouses à 90%. Rocard, porteur de valises, et s'en félicitait pendant la guerre du Golfe devant les troupes françaises. Tout le monde s'est tu. Les généraux, n'en parlons pas. Jox, Jospin, Rocard, Dumas qui était un des principaux avocats des agents du FLN en France, Badinter, avocat du FLN, tout le pouvoir actuel, Georgina Dufoy, Halimi, tout ce monde-là était FLN. À l'appui de la Wilaya 5, de la région 5, de la rébellion algérienne, c'était le numéro de la France dans les Wilayas, à l'appui d'hommes qui ont tué chez nous, pendant la rébellion, 4000 musulmans, français musulmans, en France, de l'ordre de 300 français en France, et qui appuyait aussi ces messieurs, les déserteurs qui passaient en Belgique avec des réseaux belges que nous connaissons, suisses que nous connaissons, et qui étaient des réseaux pratiquement marxistes, organisés sur l'ensemble de l'Europe, pour les quelques déserteurs qui ne voulaient pas se présenter au service militaire. Voilà ce que nous avons comme ministre aujourd'hui. Fellouz. Et ceux qui vont venir demain, les relever, prendre le bébé, sont tous ceux qui ont traité avec le FLN, qui ont signé les accords et organisé les accords d'Évian, et qui ont soutenu le FLN à partir de 1962, pendant 15 ans, durant lesquels les Français ont payé ce gouvernement, qui était installé et payé par un gouvernement dit de droite français. Comment voulez-vous que nous sortions de l'impasse? Gaulliste, vous avez trahi l'engagement du forum d'Alger. Socialiste, vous étiez les porteurs de valises, les porteurs d'armes du FLN. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Nous sommes dans cette situation terrible. Parce que nous sommes dans un régime qui est né sur le forum d'Alger. Et que ce régime
née pour la première fois d'histoire de France dans une province française, hors de Paris, ce qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire, et que ce régime né à Alger a trahi Alger. Et c'est le drame de la France d'hier, bien sûr, mais c'est le drame de la France d'aujourd'hui. La Ve République tombera obligatoirement sous les coups des conséquences de l'abandon d'Algérie, conséquences humaines, financières. Depuis que nous avons quitté l'Algérie, le franc est tombé de 52%. Économique, nous étions le premier pays d'Europe, puisque nous alimentions l'Europe en pétrole et en gaz. Quatrième réserve mondiale de gaz. Nous alimentions toute l'Europe. Conséquences militaires, énormes. Conséquences stratégiques, Méditerranée non contrôlée. Menace au sud. Alliance Kadhafi-Algérie. Où allons-nous? La Ve République va mourir des conséquences de l'Algérie qu'elle a trahie.